C'est une tradition depuis 2009. Chaque quatrième vendredi d'octobre, le Champagne Day est organisé dans plusieurs pays par les unions viticoles et producteurs de champagne. Pour la 10e fois à Vitry-le-François, l'association des Coteaux Vitria a invité la population sous les Halles pour une soirée conviviale autour des bulles. 4 vignerons ont répondu présents pour faire déguster leur champagne et échanger avec les clients, une proximité rare dans ce métier. Le champagne en général, ça a été inventé aux États-Unis, c'est de faire reconnaître par un caviste le champagne et de parler de champagne. Nous, en l'occurrence, à Vitry, c'est pour les vignerons et bien de venir au cœur de la ville. Nous, on est plutôt dans les villages environnants pour produire nos vins et d'habitude recevoir des clients dans nos exploitations. Là, c'est nous qui arrivons au cœur de Vitry avec notre groupe, un bar, un peu de musique, un peu à manger d'ailleurs aussi. Et on va mettre l'ambiance et fêter le champagne tous ensemble. On sait que ça marche bien, on a fait le premier Champagne Day à Vitry il y a maintenant 10 ans, en 2014, c'était assez confidentiel à l'époque. Les dernières éditions, on a eu plusieurs centaines de personnes. On voit sur les réseaux sociaux d'ailleurs en amont que ça prend bien, les gens partagent beaucoup, likent beaucoup. Donc même si on ne sait jamais la quantité de personnes qui seront présentes, on sait que les gens qui sont de passage à Vitry et les gens qui vivent à Vitry vont venir partager avec nous cette soirée. On espère que les gens viendront aussi de Saint-Didier.